Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Omnisport. Breaking news, ça c'est une information urgente à ne pas rater. Le Sénégal va disputer la Coupe du Monde U17. Sénégal qualifié pour la Coupe du Monde U17 parce que Guinée est disqualifié à cause donc, de la fraude sur l'âge. Parce que Guinée est fraude qui s'est ajouté à un joueur qui monte. CAF après enquête gis nañé donc les faits sont avérés Sénégal il nañ preuve mo tax dan nañ Guinée du bokku ci donc mondial U17 bi parce qu'elle fiyono mo finalone face au Cameroun donc Guinée du bokku mondial U17 disqualifié nañ ko pour les compétitions U17 de 2021 et de 2023 donc Sénégal moy dem Coupe du monde U17 en compagnie donc du Cameroun, du Nigeria et de l'Angola. Donc là demain indil le PV donc de la CAF PV de la, selon l'article 32 des règlements de la Coupe d'Afrique des Nations U17, si la CAF apprend quelle que soit la source qu'une fraude ou falsification de documents accomplie par quelque moyen donc que ce soit a été commise par une donc une enquête sera ouverte. Donc CAF dafa né à chaque fois que fraude nous signaler ko sur des donc modifications d'âge ou bien de nationalité ou bien de nom et de prénom bu fraude amé rek CAF day ubi enquête donc l'article 135 du code disciplinaire de la CAF stipule que celui qui dans le cadre d'une activité liée au football crée un titre faux falsifie un titre donc néna ku nek ci activité football di créer di donc di changer ay tour wala ay date de naissance di frauder donc CAF donc dañ kay constater CAF def enquête ta enquête bu aboutiré CAF dina jël dani war motax selon les copies des passeports transmis à la CAF le joueur Ahmed Tidiane Keita a obtenu un passeport de la République de Guinée sous le numéro de référence 00252540 le 11 avril 2017 ce passeport indiqua sa date de naissance était le 31 décembre 2001 donc Amadou Keita donc Ahmed Tidiane Keita donc CAF dañ ko jox ben passeport bi nga xamantene Ahmed Tidiane Keita mo nga am passeport bi le 11 avril 2017 te passeport bobu date de naissance am c'était le 31 décembre donc 2001 la copie du passeport délivré à l'égard du joueur Abou Bakar Konté est sous le numéro de référence 0253147 ce passeport a été délivré le 11 avril 2017 avec la date de naissance 13 novembre 2001 donc Abou Bakar Konté aussi même chose 13 novembre 2001 mo nekonti donc ci passeportum légui nak ren ñu ñew di jouer disputer Cannes 2017 feulé ci Tanzanie ñu gis né sen kayit di Abou Bakar Konté sous le numéro de 0040 alors que fait mu ngi amone 0025 donc là lool déjà benen problème bi ñom ñuy judd sen date de naissance ñu ci def 31 décembre 2002 donc ça un passeport ça c'est faux et usage de faux fraude bu lèr la donc fait 31 décembre 2001 bi def 31 décembre 2001 donc 2002 donc c'est pour dire que c'est deux dates de naissance différentes pour une seule personne to lool mënul né motax suite à ce qui précède le secrétaire général de la CAF Ahmed Ahmad donc a adressé une lettre à la fédération de Guinée de football donc Ahmed Ahmad dafa adressé fédération Guinée de football ben lettre pour wan koné da ngay na frauder li ngay def tégoléng ko ci yone motax ay dan dina tégu ci en kaw motax la Guinée donc 29 avril lañ leen envoyé pour l'informer de l'ouverture d'une enquête donc 29 avril ci la CAF envoyé lettre fédération Guinée de football né len dinañ ubi ben l'enquête comme ça nañ mëna xam ndax li gaay sénégalais sen plainte bi liñ wax deug la wala deug légui nak gis nañ né deug la parce que 2017 dañu wax 31 décembre 2001 2019 ñu né 31 décembre 2002 te ben nit mënu judd ñaar yoon motax dan nañ len donc 2 ans de suspension te coupe du monde bi wa Guinée duñ bok donc coupe du monde 2017 Malick Diaf et ses hommes iront donc jouer la coupe du monde U17 2019 donc Guinée dañ ko dan parce que don fraude sur l'âge Ahmed Tidiane Keita Abou Bakar Konté jiduñu le 31 décembre 2002 c'est premier passeport en 2017 31 décembre 2001 mo ci nekkone 2019 ñu bëgg jund 2002 donc lolu mën tane motax wa CAF nanguñ ko donc Sénégal qualifié na pour la coupe du monde U17 donc lolu Grégoire do indi léral merci Abdougno qui m'a soufflé l'information Abdougno l'international croate d'origine sénégalaise ma leen bëggé ñëpp Modou Ndiaye fele ci Italie ma lay bëggé le Milanais Momo Faye Arona Mbaw ma lay bëggé Ousseynou Cissé ma lay bëggé bu baax Ali Sow le grand journaliste Fallou Lay borom Rio Grande donc Nongoka borom Soul bi ma lay bëggé bu baax Ousseynou Cissé borom Medina ma Lamine Bara ma lay bëggé le Mancunien ma leen di bëggé bu baax di leen bëggé